La Ferrari 400i est une voiture italienne d'exception. Cette célébrissime voiture de la marque du cheval cabré ne cesse de faire parler d'elle par ses différents modèles et sa vitesse impressionnante. Pourtant, cette Ferrari 400i n'a pas la même allure que ses aînés. En effet, elle possède un problème de pression au niveau des pneus. Problème sur notre 400i, la pression au niveau des pneus. On a une date de fabrication qui est inscrite sur les pneus, qui date de 1996. Les deux premiers chiffres correspondent à la semaine de fabrication et les deux derniers pour l'année. A première vue, cette voiture possède des pneus avant très glissants, qui n'adhèrent pas et qui vont engendrer de grandes distances de freinage et des problèmes de tenue de route. Nous sommes bons pour les remplacer. Mais le problème avec ces TRX, c'est qu'ils coûtent une blinde. En plus, ce type de pneus ne peut se monter que sur certains types de jantes. Quand on parle de sécurité, il faut impérativement vérifier la pression. En effet, un pneu sous-gonflé peut avoir des conséquences dramatiques. Pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur d'un pneu, notre expert décide d'en découper un. Nous constatons que découper un pneu provoque de la fumée et même des étincelles. C'est donc clair, il y a de la ferraille dans le pneu. Et quand il est sous-gonflé, quand il roule, il s'écrase. Il y a un parallèle très simple pour comprendre le risque. Si on déforme un trombone très vite, il se déforme jusqu'à se casser. C'est donc pareil pour un pneu. Et à 130 km/h sur l'autoroute, si un pneu éclate, c'est sûr, ça peut piquer. Notre expert a convaincu François, il va tout de suite aller faire changer ses pneus pour pouvoir repartir sur les pistes à bord de son nouveau jouet.